Salomon dit qu'Alunda Dela, contraint à un exil forcé, la question vaut tout son pesant d'or. L'homme qui parle à l'oreille de Moïse Katumbi est son conseiller politique principal et spécial. L'homme ne peut pas mettre le pied sur la terre de ses ancêtres, la République démocratique du Congo. C'est quoi lui reproche-t-on réellement? Selon les investigations du vrai journal, Salomon dit qu'Alunda Dela aurait dit non au financement de la campagne présidentielle de l'actuel chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi par Moïse Katumbi. Pour la petite histoire, en marge de l'élection présidentielle de décembre 2018, Katumbi aurait négocié avec Félix Tshilombo que si sa candidature était invalidée pour un manque d'un papier administratif, Félix-Antoine Tshilombo prendrait la présidence. Et lorsque l'actuel locataire du Palais de la Nation a voulu un soutien financier de Moïse Katumbi pour sa campagne électorale en vertu de l'option levée, Salomon Idikalunda Dela a dit niet. Ce refus du conseiller de Katumbi est une atteinte aux lèse-majesté UDPCienne, d'où le blocage de son passeport par la présidence de la République. À en croire nos sources, lorsqu'à Genève, Martin Fayoulou est sorti candidat commun de l'opposition, pour Tshilombo, c'est le conseiller spécial qui a manigancé son échec. Félix-Antoine Tshilombo a fait de Salomon Idikalunda Dela sa bête noire. Pour les observateurs avisés, cette situation vient remettre sur la surface la boîte à Pandore des nationalités prêtes à être ouvertes.